Bonjour à tous, c'est dans cette nouvelle vidéo de Gameki, et on se retrouve aujourd'hui, Jean, pour... Splatoon 2 non. Non. Et si, parce qu'il y a le Splatoon spécial. Un vrai nouveau truc. Incroyable. Avec les champignons versus les étoiles. On n'a pas choisi notre camp encore. Ça n'a rien à comprendre, hein, Splatoon. C'est-à-dire qu'il y a un an, c'est ouais, on arrête, c'est fini, il n'y aura plus de mes jours, il n'y aura plus Splatfest. Et puis là, ils te font un Splatfest 35 ans. Ok. Ok, bah pourquoi si, pas, c'est gratuit hein, de toute manière. En tout cas, manière, vous pouvez repéter la barre de pouce bleu à nous dire si ça vous plaît, à nous dire quel camp vous avez choisi. La barre. Oh, ça fait longtemps qu'on a pas joué. Oui, ça fait méga longtemps. Je crois que je suis même plus comment on joue. Si, t'oublies pas, c'est comme le vélo, tu vois. Mais oui, c'est sûr. Fait un bout de temps qu'on n'a pas joué, les gens. Vraiment longtemps. Ah, tiens, il y a un nouveau truc que Monsieur Ours recrute. Ok. Et donc, qui on va choisir? Moi j'ai vu les tendances sur Twitter. Bah c'est vrai qu'après il y a la couleur. C'est plus vert étoile. Ah ouais? Ouais. Bah moi je prendrais champignon du coup. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il veut lui? Pourquoi il a un point d'exclamation? Alors ton niveau. Ah super ouais, cool. Ouais, cool. Et ça donc, fait longtemps, hein. C'est un peu ketchup moutarde en fait les couleurs. Enfin pas moutarde parce que du coup c'est plus jaune. Non c'est plus jaune, bah de toute façon on va le voir. Mais c'est vrai que la couleur comment ça s'appelle? La couleur rouge, c'était la couleur du ketchup. Donc ouais. Un des premiers Splatfest, si je me trompe pas. Bah c'est en fait la couleur rouge est plus rare, je crois. Bah, t'es rarement rouge, t'es ouais. Beaucoup. Bah jaune, elle existe déjà, je crois. Ouais, en fait jaune, elle existe. Contre le bleu, Ouais, je crois que c'est ça. Après, alors c'est pas... rouge, elle existe pas du tout. Après, je pense que ça va être exactement c'est le même. C'est pas le même jaune. Je pense aussi que c'est mais pas le même jaune. Bah champignon c'est marrant, c'est vrai qu'étoile c'est plus stylé. Bah c'est pour ça que je pense que tout le monde, enfin. Mais si tout le monde prend étoile, on va prendre rouge. Allez vas-y, et donc ça a commencé hier soir à 23h, donc on vous fait la vidéo bah, le matin pour l'après-midi, parce que 23h, nous c'est bon hein, on doit regarder Naruto hein. Bah ouais c'est ça les gens hein, il y a Itachi qui vient d'arriver. On a des choses à faire hein. Il y a Itachi qui vient d'arriver, il va se battre Sasuke, il y a voilà. Kakashi qui est mal en point, voilà les gens, non mais il y a des choses plus importantes dans la vie que Splatoon. Que Splatoon, hein. Voilà, donc... Du coup, on a notre t-shirt. Champignon. On a notre t-shirt qui est plutôt cool. Donc, bah, c'est parti, on va faire quelques games. Voilà, on va pas se prendre la tête. Ça fait longtemps. Oh là là là, ça fait longtemps. On va se prendre la tête. Faut dire si vous avez choisi votre camp. Si non, vous en y vrai, jouez... champignon, étoile, moi, je m'en fiche qui gagne. Je vais garder cette arme là, je pense. Ah, oui, on s'en fout. Ouais. Vraiment, c'est vraiment juste pour. Je pense qu'on va pour, se faire éclater parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué. C'est vraiment juste pour jouer pour l'occasion. Et puis, c'est quand même les 35 ans de Mario. Ils ont quand même fait l'effort de faire ne serait-ce qu'un petit truc. Oui. Sur Splatoon, hein, c'est pas un jeu Mario, c'est pas un truc qui a été forcément annoncé vrai, en mode de la mort, en mode ça va, il va y avoir une collaboration. On est celle novice. Par contre, là on n'attend rien, par contre la collab avec Animal Crossing elle a intérêt d'être lourde hein, parce qu'ils l'ont bien annoncé. Hein. Ah bah nickel. Ah bah la nouvelle. Ouais. Ah bah non, pas la nouvelle, enfin, je sais pas si c'est la nouvelle. Non, il n'y a plus vraiment de nouvelle, je crois. Il est quand même propre hein, Splatoon. Hein. Non, il est propre, hein, franchement, c'est un bon jeu. Après, c'est dommage, voilà, c'est toujours un peu Nintendo, c'est. Fais gaffe, t'allais tomber. Ouais, j'ai fait. Un peu Nintendo, c'est qu'ils font des très bons jeux et ils suivent pas en fait. Ils font pas le suivi. Bah, c'est dommage d'abandonner. Enfin, on va se répéter, mais là, en fait, c'est un Splatfest, certes, mais en fait, il n'y a aucune mise à jour. Il y a eu une mise à jour, mais je suis pas sûre qu'elle ait apporté. Non, ils ont dit modification. Ouais, du ouais, jeu, c'est un peu. Ça. N'oublie pas de recharger. Hein. Ouais, t'inquiète. Non, vas-y, bon, tranquille. De toute façon, la plateforme polymorphe, je crois qu'on a jamais gagné sur une plateforme polymorphe. Je crois qu'on perd tout le temps. Ouais, ouais. Je crois ah, que bah en plus, il y en a un qui a déco avec nous. Ouais. Ah oui, ouais. Il est coloré, ouais, et ouais. Il est pas là. Bon, bah, génial. Ça commence bien, Splash. Non, mais ça, c'est le truc de base, hein, c'est normal. Envoie ta pluie. Je sais pas le faire. J'ai oublié. C'est, bah, j'ai si, appuyé tu l'as sur... envoyé ouais, mais j'ai appuyé sur les boutons derrière. Ouais, ah, voilà. Bah, c'est le problème de Splatoon finalement qui est toujours là alors. Génial, bah, ça fait plaisir. Ouais. Ah non, mais les gens, tu lances un jeu, c'est pour te faire éclater. Ah, ils sont en danger. Hein. Ils ont l'air ouais. De bien. Ils sont peut-être bien, c'est sûr. Mais ouais. On va voir. Voilà. Bon, si on gagne. Ah, bah, ils sont bien parce qu'ils sont pas bien parce qu'on a peut-être. Ils ont peut-être mal recouvert dans leur zone, mais une fois qu'ils c'est ont bien recouvert. C'est possible. Bah, c'est pour ça qu'il faut que tu recouvres bien ici. Je sais pas si j'ai joué, je vais peut-être jouer une partie, ça dépend. Comme tu le sens. Ouais, j'arrive pas à ça. Ouais, faut que je rejoue. Les gens, mais ça fait quoi? Non, mais ça va être la dernière vidéo qu'on avait fait juste pour. Non, même pas, je sais même plus. Mais si on avait fait les jeux du placard, je crois, pendant ouais, le confinement, qu'on l'avait fait, on avait il y a un an à peu près, quand ouais, on voilà, un, peu un peu moins d'un an. Sachant que ça faisait déjà longtemps qu'on n'avait pas joué, donc. Yep, c'est toujours ça. Ouais, c'est toujours un petit peu. Fais pas de bêtises.
Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Il faut sauter. Il faut sauter, ouais. Allez, un kill, quand même. Guillaume, un kill, incroyable. Il y en avait parlé normalement. Bon, après, tout se joue, c'est sur Splatoon, tout se joue dans les 20 dernières secondes. Hein. Allez, un autre kill. Fais gaffe parce que c'est le bubule. Ah, punaise. Allez, s'il vous plaît, on mérite de gagner, on a un de moins, notre équipe est bien. Notre équipe est bien. On mérite bien. De gagner. Après, on mérite de gagner. Honnêtement, on va perdre, je pense, parce que ça serait plus logique. Ils sont quand même tous morts, il n'en restait plus qu'un. Allez, allez. Fais le kill, fais le kill. Bien joué, il y en a un autre qui arrive. Allez, bien, 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 bien. Oh. Allez, allez, allez. On remonte, recoupe bien tout. Les 20 dernières secondes, hein, là, on y est. Ouais, je peux pas comprendre. Ah, ils sont en danger! Il doit en avoir qu'à. Ils sont en train de stresser, du coup, le tigre vient dans notre zone. Ouais. Allez, allez, vas-y, vite, vite, vite! Ah non! Vite pour recouvrir! Allez, allez. Bien, bien, bien! Vite, 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 vite! Je sais pas où on en est! Oh oui! On a gagné! 3 contre 4. Oh, fou! Bah, c'est cool, j'ai peur. J'ai eu peur qu'on gagne. Ils ont pas trop mal bien recouvert. Oui. Bah, c'était un peu moins bon, quoi. Il y en a deux qui étaient, je pense, très bons, ils ont dû faire un bête de score. Sérieux, quoi. Il y en a un qui a déco direct, quoi. Ouais. En plus, il avait mis marqueur léger, quoi. Ouais, il avait 11 kills. Bon, c'est pas terrible ce que j'ai fait. Il est 117, il avait 11 kills. Et bien, encore le bon, ça va. Au moins, s'il la met souvent, c'est cool parce qu'au moins. J'aime bien avoir Hotel Atoll quand même, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué dessus. Bon, j'en fais une. Oh là, et après, c'est toi qui joues. T'es sûr? Je sais pas. Bah non, mais c'est en fait, on réfléchissait un petit peu les gens, et c'est vrai que Nintendo, ils ont le don de faire ça, c'est-à-dire qu'en gros, ils créent des jeux super bien. Ça va être là à fond dessus pendant... Ouais, bah pendant, je crois que de toute façon, c'est les meilleurs éditeurs de jeux. Ils font des jeux de malade, hein, mais... Après, oui, il y a Rockstar et tout, mais c'est différent. Bah ouais, mais Rockstar, justement, tu vois... Ils en font un ou deux des jeux. Là, Nintendo, ils en sortent quand même 3, 4, voire 5 par an quand ils sont motivés, et ils sont tous bien leurs jeux, en fait. Bah c'est ça, et en fait, par contre, ils n'arrivent pas trop à faire durer dans le temps. C'est-à-dire tu vas revenir sur ces jeux-là pendant 2-3 secondes, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. En mode... Oui, là, on va jouer et puis on va arrêter. Bah, Animal Crossing, c'est un peu pareil, j'ai l'impression. Et en fait, c'est dommage, parce qu'en fait, c'est des jeux à très très fort potentiel. C'est-à-dire que Splatoon, ça aurait pu être un truc de malade. En même avec temps... un pass... Non, mais avec un pass de combat et des vraies mises à jour tout le temps, avec peut-être des collabs avec leur autre univers, ça aurait été monstrueux. En fait, ce qu'ils font pas et ce qui... Enfin, c'est normal en même temps, parce que c'est pas leur fonctionnement, et je comprends, et moi non plus, je suis pas fan. C'est rendre un jeu gratuit. Non, mais payant le pass de combat. Là, mais il bouge pas. Non, mais... Tu fais exprès ou quoi? Non, j'aime pas cette meuf. Oh, ils sont en danger, les pauvres. Bon, bah, je vais tomber. Je m'aime pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il faudrait rendre leur jeu. Bah, en fait, non, que, comme pas ce rendre font, leur jeu gratuit. Bah, si, mais ce qu'ils font sur mobile. Avec Animal Crossing Pocket Camp et tout. Oui, bien sûr. Et ils sont tous là, en fait? Oui, je sais pas ce qu'ils font là. En fait, ils sont tous au même endroit. Ils font toujours la même chose. C'est une vaste blague là, la partie là. Je comprends pas la partie là. C'est des bots en fait, comme de Fortnite. Non mais c'est à 1 contre 3. Mais non, mais bah, pas là. Fais gaffe, TV. Ah, ouais, c'est le lourd. C'est lourd ça. J'avoue qu'il y a un problème sur la manette et que la caméra elle se met trop bas ou trop haute. En termes de hauteur, tu vois, là, regarde. J'ai pas bougé. Je joue à Fortnite avec. Tu n'as pas le droit de critiquer. Et vous faites des top 1. C'est juste que t'es pas habitué. Je suis plus du tout habitué. Non, t'es plus habitué à la manette de Switch. En même temps, je joue plus. Enfin, Guillaume, il joue plus à la Switch. Tu la manette de Switch. Voilà, ouais. Voilà. Fais gaffe parce que c'est le dynamo encore. Ah, c'est celui qui est méga lourd. J'ai du mal à faire des kills. Hein. Franchement, je galère. Hein. Mais pourtant, c'est une arme à clé, hein, celle-là. Hein. Non? Ouais, je sais pas. Contrairement à l'aérogun et tout. Ah, mais si c'est moi qui joue, je veux l'aérogun. Non, elle recouvre beaucoup plus celle-ci que l'aérogun. Bon, ça t'est pas. Ils sont bien débrouillés quand même. C'était pas très intéressant. À 3 contre 4. Non, mais 3 contre 4, 4 contre 3. Et la prochaine, c'est quoi? C'est 2 contre 4, c'est ça? Ouais! Hotel Atoll! C'est ce que Kim voulait. Ouais. Voilà. Donc, les gens, eh bien, on essaie de persévérer là, mais c'est compliqué. Bah, on essaie de faire des bonnes games et on se retrouve sur des parties méga déséquilibrées. On est tombé contre un niveau 199, les gens. Alors, ce que on vous a dit, les gens, dites-nous quel niveau vous êtes. Si vous êtes niveau 100, combien de temps vous avez mis?
Et du coup, on saura combien de temps il a mis pour être 199. Ouais, mais... c'est énorme, mais c'est pas possible. Le mec, il a pas de vie. Ouais, je pense. Mais c'est pas forcément la façon de jouer qu'on juge ou autre. Hein. Les gens, chacun est à même de jouer autant qu'il veut un jeu, même s'il n'y a pas de contenu. Ah, le oui, problème, oui. C'est Nintendo qui fait aucun effort pour la communauté Splatoon. Franchement, honnêtement, hein, peut-être que voilà, ça le français certains, ils vont dire, mais non, il y a quand même des trucs. Honnêtement. J'ai jamais vu un jeu en ligne autant déserté parce que en fait Nintendo a dit bah non en fait c'est fini de toute façon pas rien. Je comprends pas pourquoi faire ça en fait et qu'est-ce qui pousse du coup à jouer. Bah oui. Dites-nous pourquoi vous êtes monté niveau 100. Si vous êtes niveau 100. Après ça dépend si c'était niveau 100 au tout début parce qu'il y a quand même eu énormément de mises à jour au début. Ah oui, au début oui, mais là tu vois niveau 199 il joue encore, tu dis tu dis je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à découvrir encore du jeu, tu vois. C'est horrible. Enfin, pour moi, honnêtement, moi, mais je suis pas du genre à rester sur un jeu de 10 ans. Et, clairement, les gens. Pour moi, ce serait de la flagellation. Je suis arrivé. Parce que, en fait, c'est pas comme. Parce qu'on pourrait comparer ça, par exemple, la façon de jouer à par exemple, World of Warcraft ou un MMO, tu sais, même, on va dire plus récemment. Oh, non, franchement. Plus récemment, Genshin Impact, tu vois. Bah, y en a un qui en. Bah, ouais, génial, aujourd'hui, on va faire des parties à 4 contre 3. Je m'en fous, je vais gagner. Genshin Impact, voilà. Vous y jouez énormément, par exemple. Mais c'est un univers, c'est un monde ouvert, alors c'est peut-être un peu vite par ça. Moi j'ai joué un petit peu, hein, donc j'ai le droit de faire ça. C'est peut-être un peu vite par certains endroits, mais en fait ça peut être communautaire, et puis tu vas échanger avec des gens. Je sais pas s'il y a le côté en ligne avec d'autres joueurs sur Genshin Impact, je me rappelle. On n'est pas allé assez loin, parce que je sais qu'on débloque un certain moment. Enfin, de... non, tu peux jouer avec d'autres gens. Ouais, c'est donc ça. Voilà, t'as le côté, c'est cool, et c'est dans un univers, c'est un petit peu comme WoW. Mais un petit peu comme WoW ou Dofus. Les deux WoW, c'est pas gratuit. Oui, oui, mais WoW, tu vois, je peux comprendre, tout ça pour dire, si c'est pas juste ça que je parlais, qu'en fait, je comprends que tu joues des années après à World of Warcraft. Parce qu'en fait, World of Warcraft, c'est une communauté où t'es dans un autre monde. Tu vas aller marcher dans un autre monde, tu vas aller discuter avec des gens dans un autre monde. Et du coup, c'est vraiment particulier, tu vois, c'est une... On en a un contre un, là. Non, mais ça se trouve, ils te connaissent. Non, mais le tue pas. Mais je l'ai tué. Je voulais faire un kill. Mais le tue pas, ça se trouve, ils te connaissaient, t'es gentil. C'est vrai. Non, bah, je suis désolé. Et tu vois, et là Splatoon, j'arrive pas à retrouver ce côté où tu peux encore jouer. Tu vois, Dofus, je comprends, parce que moi j'y ai joué très longtemps après être arrivé au niveau maximum. Et du coup, il n'y avait plus rien à voir, parce que j'étais niveau maximum. Enfin, si j'avais d'autres personnes montées. Bah après, si, il y avait la guilde, tu parlais avec des gens, t'avais un contact, tu vois. Mais c'est marrant, parce que du coup, sur Dofus, quand je faisais du chevron, bah, du coup, les gens me parlaient. Ah oui. Bah, t'es du chevron combien? Ouais, en fait, tu t'ennuies, donc en fait, tu parles aux gens. Ouais, mais du coup, c'est ça qui te donne envie de jouer, tu vois. Dans le sens où. Tu passes pas forcément ta partie à tuer des autres. Oui. T'as des moments où, en fait, tu. Tu vis presque, en fait. Tu vis à l'intérieur d'un jeu, bien joué. Oui, ouais, c'est ça, ouais, tu vis à l'intérieur d'un jeu. Et j'arrive pas à trouver ce côté vivant à l'intérieur de Splatoon. C'est pour ça que je comprends pas, pas forcément le fait qu'il n'y a pas de mise à jour et tout, hein. C'est bien nouveau. Ça, c'est autre chose. Mais, comment on peut jouer autant à ce jeu-là? Tu vois, je pense que, plus, du coup, je comprends sur Animal Crossing. Parce que Animal Crossing, oui, voilà. Animal Crossing, tu retrouves des tu peux discuter et tout. Bah, tu vis dans le jeu. Ouais, tu vis dans le jeu. Tu vois, je pense que Fall Guys, d'ici 1-2 ans, bah, y a plus trop de mises à jour. Parce qu'en fait, ils l'ont déjà. Oui, le jeu était payant. Ouais, le défaut de Fall Guys, c'était qu'il était payant. Ouais. Et en fait, il aurait dû être gratuit. C'est du vrai coup, que maintenant, on recherche plus. Alors, même si on doit mettre 10 balles tous les 4 mois. Il faut un jeu gratuit. Ouais. Avec un état d'esprit assez ouvert. Et la preuve, c'est que même quand on fait les applications mobiles. Mais tu vois, regarde Ninja là. Ouais, mais parce que ça faisait déjà vu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous nous le dites en commentaire. À chaque fois qu'on fait un jeu, vous nous demandez s'il est gratuit. Parce qu'en fait, je pense que les gens, ils veulent. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un truc au début. Alors, il y a un certain temps, avec le début de la suite, par exemple, on trouvait ça un petit peu abusant. Les gens, ils veulent que du gratuit. Et aujourd'hui, on commence à comprendre et se dire. Bah ouais, mais enfin. Ça paraît pas normal, mais je veux dire, quand vous lancez par exemple YouTube et vous regardez des vidéos, c'est gratuit pour vous. Oui. Alors pourquoi vous irez payer pour une plateforme qui fait des allez, vidéos oui par exemple, allez, vous voyez. Allez. Mais non, mais en fait, c'est exactement pareil. Comparer le jeu vidéo actuel, alors on peut pas tout comparer, par exemple, un Last of Us, un Zelda, un God of War, ça peut pas être gratuit parce que c'est un jeu. Plutôt des jeux en ligne, moi. Plutôt que des jeux. Qu'est-ce qui va vous faire plus jouer à Splatoon que Fortnite? En fait, c'est incomparable, c'est impossible en fait. Oui, voilà. Surtout si vous avez pas de Splatoon, encore plus. Mais. Mais c'est incroyable pour faire un kill, c'est oufissime. C'est incroyable pour faire un kill. Pour faire un... Non, j'ai fait deux kills. J'avais oublié que c'était aussi compliqué de faire un kill. Mais non, mais c'est ouf. C'est dur. C'est dur, ouais. Ah, mais je joue pas, génial. Merci, mec. C'est gentil. Qui? Bah, celui qui est sur la plateforme. Bah, si. Non, Ninja Pâté, là.
Il a mis 3 ans à partir. Bah peut-être qu'il est... Tu sais, il y en a qui ont des mauvaises connexions, encore plus mauvaises que nous. Et t'as ton... Attends, t'as plus ton outil. Tu l'as lancé? Non, je suis mort avant de l'utiliser. Vas-y. J'aime bien cet outil, moi. Non, mais c'est un très bon jeu. Non, ah, vous non. Allez dire en critique, bah oui, mais en fait, on est en mode... Non, mais par exemple, ce qu'ils ont fait sur l'octo-expansion, c'était incroyable. Ouf. Ouais. C'était ouf. Là, c'était à la hauteur d'un jeu payant, c'est-à-dire que c'était une histoire que tu payais, et du coup, ça valait le coup, parce que tu dis, ah bah ouais, je suis content de pouvoir augmenter mon jeu, et ils sont motivés à recouvrir dans cette équipe-là. Bah c'est bien, c'est l'objectif. Oh là. Oh, et punaise, faut y aller, hein. Fais gaffe, je crois qu'il y a un snipe. Moi, je suis Allez, Gigi. Ah. En plein dessus, il a bien visé. Mais ouais, c'est un bon jeu, les gens. C'est c'est un super jeu. Vois, on peut pas dire. En fait, c'est parce qu'on parle de Splatoon, beaucoup de Splatoon sur ce côté-là, parce qu'en fait, on peut pas dire ça sur un Zelda ou sur un Mario Odyssey. C'est un jeu histoire, tu l'as payé, tu ouais, voilà, l'histoire, et c'est normal, ça, c'est un truc qui marche. Et sur un jeu en ligne qui est abandonné, c'est un peu dommage. En fait. Oui. C'est plus ça que. C'est plus sur le côté en ligne. En fait. Comme on avait dit, le mode histoire aurait dû être payant, et le jeu en ligne aurait dû être gratuit avec pour un pass de combat. Ouais, ouais. Ça, ça aurait été exceptionnel. Là, on parle pour ceux qui... Non, mais s'ils font un Splatoon 3, ce serait une bonne idée. Nintendo, Shigeru Miyamoto, oh oui. Fais ton jeu payant. Non oui mais avec un pass gratuit. Tout le monde le fait et ça marche. Et c'est bien. Enfin, moi, je trouve ça bien. Bah, au début, c'est un peu difficile, ouais. Ouais, enfin, au début, tu dis, j'ai pas envie de payer et tout, mais en fait, au final, si. Parce qu'au moins, ils sont forcés de faire des mises à jour. Oh ! Non, mais Guillaume ! Allez ! Wouh ! Ça y est, Guillaume, il est énervé, là. J'ai des kills ! J'ai des kills, enfin ! C'est possible. Bon, je les ai bien embêtés. Hein. Mais Splatoon, ça reste un des jeux à avoir dans sa ludothèque. Mais plus pour le mode histoire et le mode octo-expansion que vraiment. Enfin, jouer en ligne un petit peu. Pour jouer avec tes amis, je pense que c'est plus pour jouer avec tes amis. Ouais, mais tu vois, ne serait-ce qu'ils aient enlevé le mode où tu peux jouer à deux, c'est dommage quoi. Ça, c'est triste. Hein. C'était marrant les défis du haut. Bah en fait, ouais, sur c'était, le marrant. 1. C'était marrant. Hey, 10 kills, c'est bien. 10 kills bah, ouais, c'est non, bon c'est record. Assist, 10 kills et assist. Oh, d'ailleurs, vous en avez pas parlé et on n'a pas mis sur nos réseaux, mais il y a New Pokémon Snap qui a dévoilé déjà 30 avril. Ouais. Un jeu arrive. Pokémon Snap 2, quoi. Et franchement, ça a l'air juste incroyable. Il a l'air génialissime, le jeu. C'est vraiment le jeu qu'on ouais, aime. Ouais, bah, en fait, c'est. Chill, bah, c'est où t'as juste dit. À prendre en photo. Bah, non, mais tu le payes, tu vas avoir ton histoire, ouais, voilà, ton petit scénario, tu le finis, t'as fini ton jeu, quoi. Voilà, et c'est ça. Cool. Ça, c'est ce qu'on aime bien. Nous, on aime bien ça. On demande pas que ce genre de jeu soit gratuit, quoi. Ah, bah, non, c'est un jeu quand même qui est. Déjà, c'est une licence, c'est complètement autre chose. Non mais comme vous voyez en fait, Splatoon fait que... Ouais, oh là, ça va être un relou. Oh lui ça va être un relou. Splatoon est un jeu payant sur son histoire. Et en fait ça va être le mode en ligne quand tu... Là regardez, on va jouer une journée, genre, on tourne en rond sur 3 maps. C'est pas normal de payer pour un jeu comme ça en fait. C'est vrai. Allez le relou. Oui. C'est ça qui est bizarre tu vois. Parce que ça fait vraiment jeu free-to-play, quoi. Oui, ça fait jeu free-to-play. Bah, c'est pour ça que Ninjala est un très bon jeu. Ouais, parce que t'as vu une ou deux maps, voilà, t'as peut-être un peu moins de maps, mais ouais, mais au final, y a pas tant de différence que ça. Je sais pas ce qui est devenu Ninjala au terme de nouveauté. Attention, recule, va te retourner. C'est vrai qu'on a pas accroché à Ninjala, parce que voilà, comme vous avez dit, ça fait vraiment On a trop joué à Splatoon pour jouer à Ninjala. Recule. Ah oui, mince. Ils sont relous là. Ouais, t'es pas ouf. Vas-y, moi je suis pas ouf du tout là. T'es pas ouf. Hein. J'avoue, Guillaume il a fait un mort de kill et tout. Oh, pff, un mort de kill. 10 c'est pas non plus la folie, mais. On est toujours pas en danger. Non. J'ai envie de cœur. À chaque fois que je dis ça, on est en danger après. Il faut tuer les deux rouleaux là. Lui et le. Le rouleau et le bassinier. Allez, si tu gagnes, franchement, on peut manger Burger King. Bah parce que si on perd, on mange un peu dans la Allez. J'en sais rien du tout parce que... ils étaient... Bah, je sais pas. Je pense que non. Tu penses que non. Oh c'était tendu, hein. C'était méga tendu, hein. Ah, ils étaient Oh la vache, c'était méga relou, les gens! Canalamar! Bon, allez, la dernière, les gens. Il faut qu'on gagne encore une fois. Pour l'honneur, comme ça, au moins, on aura gagné pas mal de parties. Bah ouais! Oula! Ah bah, c'est nous! Pourquoi 5? On a pas du tout gagné 5 parties avec nous. T'as rejoint une team. Ah oui. T'as rejoint une team où il y en a qui est parti, sûrement. Bah, faut croire. J'espère qu'ils sont forts. Voilà. Fais gaffe, super. Voilà, là, t'es bien.
Et après tu passes derrière, non, là tu vas être suicidé. Voilà. Ah, bah, il y avait pas du tout de rond autour de moi. Si, si. Ah bon? Ah oui, oui. Bah t'aurais pu me le dire, j'ai pas vu. Mais je te l'ai dit. Mais j'ai pas vu du tout. Va à gauche. À gauche. Là, tout droit, vas-y. Ah, t'as encore le rond autour de toi, là. Voilà, il passe là, je savais qu'il passerait là. Tue-le, tue-le, c'est un sniper. Mais deux secondes. Il peut pas recharger. Yeah. Quand même. Ouais. Double kill de Kim, hein. Incroyable. Ton dernier double kill, la situation, il remonte à quand? Un millénaire. Derrière toi. Le recouvrir, là. C'est ce genre de zone où ça va rester longtemps. Ulti en face, voilà. Très bien. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont deux en bas. Tu fais viser. Ils sont tous en bas, là. Il va monter. Ah oui, bien sûr. 1 contre 3. Bah, en même temps, t'as fait 2 kills, hein. 1 contre 4. Du coup, notre équipe est devenue. Mais des... oui, voilà, tu dis normalement, on aurait dû devoir courir. Bah, courir. Bah, non, t'attends. Non, et surtout qu'il y en a un qui a réussi à mourir alors que. Mais comment c'est possible? T'es 1 contre 4 joueurs et t'arrives à te faire. Ils arrivent à rien faire, quoi. Derrière toi, il y en a un. Yeah! Mon dieu, 3 kills de Kim! Tu vois, c'est la partie où tu te réveilles, t'en as tellement marre du jeu que tu dis, allez, c'est bon, j'en ai marre, il faut que je gagne. Les suis pas, ça sert à rien. Tu recouvres au même endroit que. Va en face où il y a des endroits à recouvrir. Vas-y, remonte là, il y en a un qui est en face. Oui! Mais j'étais derrière! Oui. Mais j'étais derrière! Ouais! Tout ce qu'on aime. J'étais derrière! T'es pas... Je pense pas que tu perdes, mais tu vas toujours à droite, à gauche et en fait ils te suivent aussi, donc on va aller. Gaffe, il va sortir de nulle part. Bien joué! Mais c'est pas possible! Mais c'est juste, c'est insupportable! C'est juste des anti-joueurs à ce niveau-là, genre en fait ils se suivent. Ah, y'en a un qui arrache qui du coup. Bah oui, ils se suivent. Bah oui, ils se suivent. Mais c'est pas le but du jeu. Ils ont rien compris. Mais oh là là, mon dieu. Non, mais t'as vu le nombre de kills que j'ai fait? Bah oui, c'est pas mal. T'as vu le nombre de kills que j'ai fait? Genre Kim, elle a pété son record de kills. Ça fait énorme, mais en vrai, ça fait très longtemps que t'as pas fait autant de kills. Bloup, 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 bloup. Bien joué, non mais parti trop chelou. Bah, ils suivaient! Et on s'est retrouvés à. Combien de fois on s'est retrouvés à 1 contre 4 ou 1 contre 3? Ah ouais, 3 bah, c'était des trolls et en fait c'était nul et ils ont rage-kit en plus. 133, 164, non mais celui qui a rage-kit il était niveau 121. En fait c'est clairement, mais. Non! Pourquoi tu t'acharnes sur le jeu si c'est pour rage-kit? Ça sert à rien! Pourquoi t'es niveau 121? C'est pour rage-kit, la première partie tu perds! Noob! Bande de gros noobs, vous avez perdu comme des gros noobs. Voilà, c'est parfait. On va s'arrêter là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Voilà, je pense que Splatoon ça reviendra que. Non mais si voilà, y a des ça. Mises à oui, jour. Voilà, c'est exactement ça. Super sympa qu'il s'est fait ça. Dommage qu'il fasse pas assez de mise à jour sur Splatoon. C'est un jeu à fort potentiel. Ouais, bah c'est, il manque toujours des. C'est pour ça qu'on est toujours un petit peu ronchon, parce qu'en fait les gens, on se dit ah il pourrait tellement. Mais oui, faire en fait des à chaque trucs, fois qu'on revient sur le jeu, tu te dis mais what, il pourrait tellement avoir des trucs et. Bah déjà ne serait-ce que un hub réel déjà, tu vois. Oui ouais, déjà rien que ça. Enfin, il y a du potentiel. C'est pour ça que toi un hub réel avec juste des émotes et pas forcément la possibilité de discuter, ce serait compliqué à gérer, mais juste des émotes et du coup t'as des gens, tu tournes avec eux. Non mais en vrai, franchement, ce qui se passe c'est que un côté plus fun. Non mais si sortent un jour un Splatoon 3 qui fasse pas la même chose que le 1 et le 2 en fait. Vraiment qu'il fasse quelque chose, un vrai renouveau sur Splatoon. Ouais, qui en mette des glitches, quoi. Ce serait vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Mais c'est énorme ce qu'il a fait là. Ah oui, j'avoue. Ah, j'avoue. C'est des fous. Non mais c'est des malades. Il est là. Après, c'est sur ordi, c'est ça, hein, ils peuvent le faire. Hein. Ouais, t'as des trucs pour. C'est une sorte de BD. Ouais, et lui aussi, BD sur Splatoon. Franchement, il y en a qui s'embêtent. C'est pour ça qu'ils passent 200 heures sur Splatoon. Ouais, je pense que c'est plus pour ça, Team Mushroom. Ah, bah tiens, c'est nous, ouais, on peut mettre un A. Donc on verra, normalement, c'est soit dimanche, soit lundi, qui gagne le Splatfest entre les champignons. Genre, c'est et un les niveau étoiles. 7 qui a fait ça, ouais, je pense que c'est bien ordi, c'est pété. Oui. En gros, c'est des comptes de bots et en fait, ils créent des trucs, des images en bot. Bah, en fait, il a dû créer cette image sur ordi et puis en fait, il l'a transcrit, tu vois bien. Niveau 7, tu peux pas être niveau 7 et faire un truc aussi stylé, quoi. Oh, tu sais, niveau 7, c'est déjà long. Oui, c'est déjà long, c'est vrai. Peut-être qu'il a joué 10-15 heures déjà pour être niveau 7. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez, salut!